Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre modélisation et plus précisément pour cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la modélisation des murs de l'étage. OK? Vous m'excuserez du son de ma voix, je suis un peu enrhumé. Ok, donc avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, mais également de vous abonner. Ok, donc nous allons faire la modélisation du mur de l'étage. Ok, pour ce faire, nous allons toujours nous servir de l'outil rectangle pour les modéliser. Donc je prends l'outil rectangle. Je matérialise dans un premier temps un rectangle qui va de là à là. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez déjà avec cette première sélection. Voilà, les murs ont été déjà matérialisés. J'effectue. Voilà un autre rectangle. Et là, je vois que les murs commencent à se matérialiser. OK? Donc là, je peux sélectionner et supprimer cette surface. Là également, je supprime cette surface. Pareil pour ici. Maintenant, je vais sélectionner ces surfaces et les inverser. OK, reverse face. Voilà. Au lieu d'attendre d'extruder pour effectuer. Donc ici, c'est un patio. Donc, il n'y aura pas de mur. Je peux sélectionner la surface. Voilà, et l'enlever. Très bien. Ici, je fais sélection et reverse face. Pareil pour ici. Là aussi, c'est un patio. Donc, on enlève. Voilà la modélisation du mur. Bien, reverse face. Voilà, ici à l'intérieur, donc il n'y a pas lieu de mettre ici un mur, donc il faut délimiter cette partie, cette partie également. Voilà, sélectionner, voilà cette partie est enlevée. Très bien. Donc, on va réorienter l'ensemble des faces avant de procéder à l'extrusion. OK. Ici également, matérialiser. Un rectangle.
notre réaliser le mur. Idem pour ce mur intérieur également. Il faut toujours se servir de l'outil rectangle ou ligne, voilà, pour matérialiser les murs. Voilà, là, je sélectionne ces parties et je supprime. Très bien. Pour les murs intérieurs que je viens de matérialiser, je les sélectionne et je réoriente les faces. Voilà, donc on peut commencer à faire l'extrusion des murs que nous venons de créer. Très bien. Donc, je vérifie juste si l'ensemble des faces ont été réorientées. Voilà. Donc, une fois cette étape franchie, donc nous allons venir sélectionner l'outil pousser, tirer. Voilà, faire un zoom. Voilà, sélectionner à l'intérieur des surfaces que nous voulons extruder. Et matérialiser l'extrusion en précisant la hauteur, par exemple, de, disons, 2,80 m. Voilà, je mets 2,80 m ou bien 3 m. Voilà, à 3 m. Ok, donc il faut à chaque fois sélectionner sur la surface. Mais regardez, il y a une petite erreur à ce niveau. Donc là, on ne devrait pas avoir de mur parce que c'est un patio. Donc je fais un retour. Je viens, je mets Edit, un duo push-pull. Ok, et là, je vais venir séparer ici. Là et prendre l'outil sélectionné et enlever ce mur. Ok, voilà. Maintenant, je constate ici ça n'a pas été réorienté et là on peut maintenant passer à l'extrusion. Je prends l'outil pousser tirer, je sélectionne sur la surface jusqu'à ce que ça surbrille. Voilà, je sélectionne, puis voilà, je le tire vers le haut et je matérialise là. Je mets 3 mètres par exemple. Ok, je fais la même chose pour les autres également. Sélectionner et là je viens m'aligner à cette hauteur. Ok,
Donc là, on est en train de matérialiser les murs de l'étage. Après les avoir dessinés en utilisant l'outil rectangle, voilà, on utilise l'outil pousser-tirer pour procéder à l'extrusion. OK? Voilà. Faut retourner pour mieux visualiser. Donc, on constate qu'ici, on n'a pas matérialisé le mur. Donc, on peut utiliser l'outil lit, par exemple, voilà, venir matérialiser ce mur. Pareil également, l'outil lit, voilà. Là, je sélectionne, je réoriente les faces. Après, on prend l'outil pousser-tirer. On se met à l'intérieur. Voilà. Voilà, très bien. Après, on aura le temps de matérialiser les linteaux pour les ouvertures. Voilà, tourne pour afficher les murs des autres côtés.
Voilà, ici aussi, je vais utiliser l'outil Utilis pour matérialiser ces murs. Donc vous avez l'outil ligne et l'outil rectangle qui vous permettent de matérialiser vos murs dans SketchUp. Après, vous prenez l'outil, vous étirez, vous l'extrudez et déterminez la hauteur. Maintenant, comme on l'a dit tantôt, donc pour tout ce qui est ouverture, nous allons après procéder voilà à la modélisation des linteaux. Aussi bien pour les portes que pour les fenêtres. Par contre, là où on prévoit de mettre des fenêtres, comme ici par exemple, on peut déjà matérialiser la hauteur d'allège. Donc c'est 1 mètre. Voilà. Pour les fenêtres. Ça c'est un balcon. Donc ici, on va matérialiser une porte. Ok. Ça, ce sera la fenêtre de cette salle de bain. Donc déjà on peut extruder ici de 2 mètres. Très bien. Donc on vérifie à l'intérieur s'il n'existe pas de mur à l'intérieur qu'on n'a pas encore extrudé. Très bien. Donc, il me semble que l'ensemble des murs à l'intérieur ont été bel et bien extrudés. Donc, ça reste juste ici pour les balcons. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui.
N'oubliez pas de vous abonner, mais également de liker la vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons matérialiser tout ce qui est linteau pour les portes et fenêtres. Je vous remercie et à très bientôt pour la suite.